Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Marvel Super Heroes 2 dans lequel on va continuer le mode histoire. La dernière fois on a fait un niveau dans le château, il me semble, dans le monde médiéval de Marvel. Et donc aujourd'hui on va continuer, voir où l'aventure va nous mener. Oh, où sommes-nous? Une panthère de pierre géante au milieu d'une ville. On doit être quelque part si on peut appeler ça une ville. Alors ce portail étrange nous a amené au Wakanda? Ouais. On va peut-être tomber sur... Oh, Klaue. Regardez, c'est Klaue. Gros lent quand même, hein. C'est incroyable. Ah, on dirait qu'il a pas envie de voir des visiteurs. Comme c'est surprenant. Ok, c'est parti. Donc... On dirait bien que le Wakanda a aussi une de ses barrières. Ouais, on dirait en effet. Alors pour info, ça c'est de la porte blindée. Tu crois que tu peux la défoncer? Je suis costaude, mais pas au point de traverser des portes en vibranium. Moi qui voulais te voir casser des trucs. Donc comme je disais, pour info, j'ai déjà enregistré ce début d'épisode, sauf que à cet endroit-là, il y a eu un crash. Voilà, il y a eu un crash et puis ça a fait recommencer le jeu. Bon, c'est juste incroyable. Donc non, tire sur ça. Voilà, parfait. Hop. Pour être honnête, j'espérais une entrée secrète méga discrète là. Désolé. Il n'y a rien d'autre ici qu'un tas de matos informatiques. Du matos informatique? Ça c'est plus mon rayon. Ok. On va tourner ça ici, voilà. Non, encore un. Voilà. Maintenant je sais parfaitement ce qu'il faut faire, donc c'est pour ça. Le bleu ça va conduire là-bas, donc attendez, on va commencer depuis là à la limite. Alors en fait il y a plusieurs choix de passage en fait. Vous pouvez passer là où vous voulez en fait. Hop, moi je choisis celui-là. Parfait. Ça marche. Encore plus de statues de panthère. Eh ben dis donc. Maintenant, on peut rattraper Klaue. Allons-y. Ok, c'est parti. Donc c'est là que ça a craché la dernière fois. Quand j'ai fait oui, ça a craché. Espérons que ça fasse pas pareil. Oui, j'ai envie de continuer. Ok, c'est bon. Ouf. Ok, écran noir. Et car le nouveau méchant du coin, Kang, prétend avoir volé Manhattan pour l'ajouter aux autres régions conquises à travers le temps et l'espace. La citadelle de Kang est au centre de cette cité temporelle, Chronopolis, qui semble exister hors du temps. Kang prétend aussi que s'échapper de New York serait actuellement impossible. Mais d'après mes sources, certains super-vilains de la Terre ont été aperçus quittant Manhattan. Le sulfureux Klaue en est le parfait exemple. Cette crapule sonique a été aperçue dans Manhattan pour aller... On ne sait où. Note personnelle. Déposer la marque Chronopolis. Ça pourrait rapporter gros. Désolé pour les... Oh mon dieu, j'arrive pas à me tenir. Mon sixième sens me titille encore. Quelque chose cloche. À part la jungle wakandienne que l'on doit traverser pour se rendre au centre de Manhattan... Les Avengers? C'est moi, Black Panther, seigneur du Wakanda. Veuillez m'excuser. Je ne voulais vraiment pas vous effrayer. Effrayé? Moi? Non. Hein? Désolé d'abréger cet émouvant réunion, mais Klaue a déjà beaucoup d'avance sur nous. Klaue. Je suis moi aussi sur la piste de ce gredin. Nous l'avons suivi jusqu'ici. Peux-tu déverrouiller ça? Certainement. Merci de l'avertissement, le matou. Et son acolyte simiesque voudrait-il autant de vibranium? Venez, essayons de le savoir. Ok, la danse de Klaue, c'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il va encore faire avec son bras sonic? Il y aura des boss à battre déjà, à ce que je vois. Des mini-boss. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on est? Ces portes sont impénétrables, même pour moi. Pas tout à fait. Les explosifs dans ces chariots sont conçus pour le minage du vibranium. Ils pourraient facilement souffler cette porte.
Alors on pousse juste un de ces machins jusqu'en haut? Super. Plus un labeur est dur, plus son fruit est délicieux. Ça c'est un très bon proverbe. Donc maintenant on va jouer en tant que la panthère noire. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est de la magie. Ok. Compréhensible, compréhensible. Danger. Ah, je vais faire quelque chose avec B. Appuyez sur B pour suivre les traces au sol, suivez les traces, puis maintenez B appuyé pour déterrer les objets cachés. Sauf que je ne vois aucune trace en fait. Ah là! Oui. Ah, ok. Logique. Ouais bon, il y a un gros monstre de terre ici, fallait quand même le remarquer. Ok. Ah là là là. Ouh, il a une attaque spéciale, attendez. C'est quoi ça? Ah ok, c'est encore une attaque. D'accord, ok. Rien de très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et ça ressort de l'autre côté, j'imagine. Ah, ça ressort ici, d'accord. Et c'est quoi là-dedans? J'ai rien compris. Ok, bon, il y a un truc ici maintenant, c'est tout ce que je sais, mais sinon, à part ça, j'ai rien compris. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Des pièces bleues déjà, premièrement. Ça, c'est sûr qu'on va pas les rater. Je vais essayer d'avoir 100% pièces comme d'habitude. Enfin, aïe! Oui, d'accord. Si on tombe du premier coup, ça va très mal aller. Hop. Pièce bleue. Et c'est parti. On peut utiliser ça pour traverser maintenant. Oh non, ça va être la galère. Où tu mets les pieds? C'est si haut qu'on aurait le temps de lire un bouquin avant de s'écraser. C'est une très bonne expression. On prend Spider-Man, comme ça, il n'y a pas de danger de perdre des pièces d'ailleurs. Il y a un truc en haut ici. On peut. On peut. Juste atterrir ici pour passer cette pièce bleue, voilà. Et puis là, faut Star-Lord. Donc non, ça, on pourra pas le faire, malheureusement. Ok, ça c'est bon. Ensuite, sauf que là, oui, là pour un personnage puissant, elle par exemple. Hop, c'est parti. Ok, donc on a poussé ce chariot. Il faut trouver le moyen de dégager ça. Cherche aux alentours. Les solutions se présentent d'elles-mêmes quand on garde l'esprit ouvert. J'apprends tellement avec toi. Tu devrais donner des conférences. Je pense pas que c'est ce qu'il apprécie forcément, donner des conférences. Mais c'est pas grave. Stanley est quelque part par là. Voyons. Où est-ce que Stanley peut être? En bas, peut-être. Ah! Non! Une très mauvaise idée d'aller tout en bas. C'était pas exactement un temps fort de ma carrière. C'est pour qui ça? C'est pour elle. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ici? Parcourir le labyrinthe et activer l'interrupteur, vous avez probablement besoin de tourner le labyrinthe avec LB et RB pour ouvrir de nouveaux chemins. Quoi? Ah ok. C'est complexe. Ok d'accord, ok, ouais d'accord. Mais donc, c'est pas... C'est pas forcément le truc le plus... C'est évident au monde, mais c'est pas grave. Ok, donc en gros, quand on saute, en fait, on peut pas vraiment sauter. On doit sauter quand ça tourne. Ok. Ok, donc maintenant tourner à... Voilà, ok, parfait. Ok, maintenant vas-y dans ce sens. Ok, j'ai compris. Ok, encore dans ce sens. Parfait. Ok. D'accord. Bon système de gameplay, je veux dire, pourquoi pas. Ok, sauf que ça c'est pour la suite, je crois. Sauf que maintenant faut faire le truc avant. Il y a quelque chose ici alors. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Hein? Faut peut-être. Oh mon dieu! Qui a besoin d'un bon coup de justice? Ah, elle peut devenir super grande! Ah, ok, d'accord. Qui a besoin d'un bon coup de justice? C'est bon, c'est bon. Panthère noire, on a besoin de toi. Je crois, non? Là-haut, là, avec des trucs là.
Ouais, en effet. Non, 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 toi aussi tu peux. Arrête. Toi aussi tu peux. Comment on souffle? Comment on fait? Ah, ok. Juste comme ça. Esquive. Yes. Et ça, c'est un système pour Spider-Man, ça, normalement. Sauf qu'on peut appuyer sur Y ici, bizarrement. C'est pour faire quoi? Ah non, c'est pour ça. Ok, donc ça, ça sert à quoi, ça? Oh! Oh, c'est Carnage? Attendez, quoi? C'est Carnage qu'on a collectionné ou c'est un Spider-Man? Je crois que c'est un Spider-Man, mais je suis pas sûr. Ok, donc... Du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. Spider-Man, vas-y. Ah, ok. Hop. Et baisser la grue. Ah, ok. Parfait. Wow! Cette technologie est au top! Oui. Grâce au vibranium que l'on mine ici, elle a dépassé de loin celle du monde que tu connais. C'est pas croyable. D'accord. Vous organisez pas des stages d'été, des fois? Des stages d'été? Quoi? Ah oui, parce que lui, il va encore à l'école, lui. Alors, maintenant. Ok, je vois toujours pas ce qu'il y a dans cette caisse. C'est ça le plus grand problème. Oh. Oui, c'est bon, on a entendu Stanley. On peut pas t'aider là pour l'instant. On a d'autres choses à faire. On doit aider le monde. Même si tu es le créateur de ce monde chaotique. Ok, maintenant il est arrivé ici. À quoi ça sert de prendre tout ça? Les morceaux de rail manquants. Ils sont là-dedans? Du vibranium en fusion. Il va falloir être prudent. C'est chaud bouillant. Hey, calme-toi. Il doit y avoir un moyen de régler non. ça. Non, juste Spider-Man, juste non. C'est pas. Non. Et on va monter comme ça. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut, hein? Hop. Oh, des ennemis. Oh, j'avais pas vu. Ok. En plus, il y a un mec qui a des cœurs qui sont pas encore... qui sont pas encore endommageables, on va dire. Ah, là, il peut... Non. Ah, il peut brûler? Non, il peut même pas brûler, d'accord. Ok. Besoin d'un coup de main. Ok, c'est bon. Yes. Il est mort. Wow. Ok, je suis presque mort. Hop. Hop, ok, rapidement, rapidement. Oh non. Oh, zut. Pourquoi on peut pas juste faire ça? Oui, on peut faire ça aussi. Je vois pas pourquoi j'ai dû prendre le truc le plus compliqué à faire. Ok, donc il y a beaucoup de trucs pour des lasers. Malheureusement, on ne peut pas. Il est où Spider-Man? Là. On aurait besoin de ta capacité ici pour récupérer des pièces. Voilà, ok. Bon, les autres s'en fichent. Tout ce que je veux, c'est la pièce. Wow! Ok, non, c'est une très mauvaise idée de s'attaquer à eux pour l'instant. Enfin, quoi que. On peut leur faire des dégâts. Non, on peut pas encore leur faire des dégâts. Sont assommés mais on peut pas leur faire de dégâts, d'accord. Ok, il y a une pièce bleue là-bas, j'ai envie de la récupérer. Ok, sans me faire brûler. Ok. Ok. Allez-y. Peut-être qu'il faut les battre en fait. Je sais pas trop. Ok, c'est quoi ça? Non. Clairement, même ce truc là n'est pas ok. D'accord. Il y a ça aussi. Il y a une brouette. On peut utiliser la brouette. Sauf, quelle est l'utilité de cette brouette? Quelqu'un peut me dire. Ah, il y a un truc. Fallait que je le remarque pas. Hein. Oui, mais bon. Désolé après... d'exploser vos trucs. Ah. Pour avancer, il faut parfois savoir faire demi-tour. J'allais dire exploser des trucs. Ok, sauf que ça... Ah, Y. Ah, c'est elle. Elle peut devenir petite. Ah, d'accord. Ok, donc... Hey, j'ai besoin d'un coup de main.
Donc, ok, d'accord. Donc, attendez. Quoi? Ah, ce personnage est énorme. Parce qu'attendez, je vais vous montrer un truc. Parce que... elle peut se transformer en un personnage petit. Et elle peut aussi se transformer en sphère. Voilà, ok, c'est bon. J'ai compris. Elle peut aussi se transformer en sphère. Et du coup, quand vous êtes en sphère et que vous êtes et que vous appuyez sur B encore une fois, va vous transformer en petite sphère. C'est... et les ennemis, on va juste les battre encore une fois. Hop. Alors ceux-là, est-ce qu'ils vont être assommés là ou pas? Il faut encore attendre un peu. Pour l'instant, on peut pas passer. Bizarrement. On peut les frapper? Ah si, on peut. Ok. Après, là, on va les assommer encore une fois. Parfait. Ok. Donc ces deux-là, c'est bon. Et maintenant, on peut passer. Ouf. J'ai compris. Ben donc, ça avait pris du temps. Les nouveaux niveaux, ils sont plus complexes, je trouve. Ça, c'est bien, ça. Hop. Qu'est-ce que ça va bien faire? Ah, il y a un truc là-bas. Pour la panthère noire, c'est parti. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, c'est un ennemi, c'est ça? C'est quoi l'histoire de l'homme gorille? Ah, l'homme gorille. Son nom est M'Baku, mais tout le monde l'appelle Manape. Il a toujours voulu s'emparer de Wakanda. Pourquoi il ressemble à ça? Il a obtenu ses pouvoirs en tuant un rare gorille blanc, en se baignant dans son... J'ai pas entendu la suite, et je pense que j'aurais pas voulu entendre la suite. Attention! Oh non! On a une personne en moins dans l'équipe maintenant. Battez-vous, bande de lâches. Oh oh! Manape. J'étais sûr d'avoir reniflé ton ennemi. Surtout tu l'as vu avant. Oh non, combat de boss contre Manape. Ah ça va être horrible ça. Ça commence très bien ce combat. Ok. J'ai aucun cœur pour l'instant, c'est incroyable. Tu n'es que l'ombre de ce qu'était ton père, Shala. Et tu finiras exactement comme lui. Ta suffisance a toujours été ton point faible, M'Baku. C'est Manape. Oh. Et Manape n'a pas de faiblesse. Il n'a que des forces. Ah si, tout le monde a de la faiblesse. Même les plus grands héros ont de la faiblesse. Oh, c'est quoi ce combo? Oh mon dieu, c'est violent ça. On peut pas sauter. On peut pas faire... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu... On peut pas faire de rope swing. D'accord, ok. On peut pas sauter de l'autre côté non plus. Ah d'accord, faut le chien. Ok. Ok, attention. Yes. C'est parti. Ouh. On lui a relevé à peu près la moitié de sa vie. C'était incroyable. Par contre, le 100% pièce là, on n'est pas bon. Là, si c'est la fin du niveau. Ah, il y a encore Claw après peut-être. Je sais pas. Ton précieux vibranium. Quelle ironie que ce soit lui qui scelle ta fin. Wow. Oh mon dieu. Avancez les gars. Ce truc est encore plus chaud qu'un jacuzzi. Préférez les vilains sans machine de mort géante. Oh mon dieu. Ok, c'est bon. Wow, c'est bon. Ok. On va prendre elle, voilà, parce qu'elle a de super combos. Ok, c'est bon. Wow. Ok. Oh, c'est quoi cette attaque là? Oh, attends. Ok, c'est parti. Maintenant, on va encore le frapper. Et je pense qu'il n'aura plus du tout de vie. Ah, un tout petit peu. Ok, bon, ça c'est facile. C'est ce que tu peux faire de mieux. J'espérais un vrai défi. Tu devrais essayer de te regarder dans un miroir sans rigoler. Voyons si tes pieds sont aussi agiles que ta langue. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va encore faire couler de... Ouais.
et encore faire couler du vibranium. Oh, ok, il est juste passé au-dessus de moi. J'ai cru qu'il allait se déverser. Ok, donc c'est... Ok. Imbécile, le règne de la panthère est terminé. L'heure du règne du gorille est venue. Quand ouais, écoute. Quand promis le Wakanda. Tant que je vivrai, le Wakanda ne se soumettra jamais, ni à toi, ni à Kang. Alors, je vais te le prendre. Wow. Yes. Finissons sans manette. Ta fin est venue, T'Challa. On est là aussi, les gars. Je t'aurai. Ok. Wow. Ok. Il ne reste plus beaucoup de vie. Où est-ce qu'il est encore? Ok. Et après cette attaque, normalement, on pourra le terminer. Ou l'achever plutôt. Wow. Ok, c'est bon là. Il a fini de faire son truc là. Plutôt qu'il vise très très mal. Il vise pas du tout où est-ce qu'on est. Allez, c'est parti. Allez. Parfait. C'est la dernière fois que tu profaneras mes terres de ta vile présence. J'obtiendrai justice pour mon père. Ah, le gros minou est en vie. J'adorerais faire la conversation, mais malheureusement, j'ai une affaire urgente à régler. C'est l'heure du châtiment. Arrête de t'agiter. Merci de votre patience. Et maintenant, voilà le crescendo. Boum boum, mais quel sens du rythme. Est-ce que ça va? Excusez-moi, mes amis. Une erreur idiote. Vite, pendant que la piste est fraîche. Et c'est la fin? Où est-ce qu'ils sont arrivés? Oh mon dieu! Allez, fin comme ça, je déteste. Succès déverrouillé, griffe-moi. Vous avez terminé, Claw a une mauvaise mine. Ok, niveau numéro 4. Niveau terminé et jeu libre déverrouillé, je suppose, en effet. C'est parti. Ah, ce niveau, il était bien. Il était bien. Oui, c'est vrai que, ouais, au niveau des pièces, il était pas bien. Comment est-ce qu'on pourrait collectionner autant de pièces sans les multiplicateurs, quoi? Je pense que ce niveau est fait pour les multiplicateurs. Ok, Stanley, pas celui du coup. On a débloqué tout un tas de personnages, normalement. En fait, non. Deux personnages, trois personnages. Ouh. J'ai envie de voir qui est le troisième. Hop. Ok. Ensuite, un ape. Ok, ça j'ai compris. Je crois qu'on les a direct les personnages. Il n'y a pas besoin d'acheter les personnages cette fois ou un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Ah non, quand c'est comme ça, on a besoin d'acheter. D'accord, ok. Et j'ai même pas vu quel personnage. Ok, bah, c'est parfait. Du coup, en fait, les super vilains qu'on a débloqués, on a pas besoin de les acheter. Désolé. Vous avez vu Klao et ses hommes? Non, on vient juste d'arriver. L'Empire d'Hydra. Tout ce qui touche au mal dans la galaxie se concentre dans ce lieu. Restons discrets. Mieux vaut ne pas éveiller les soupçons. On ne sait pas combien il existe de portails connectant les zones du temps et de l'espace. Hé, hey, cherchons un portail qui ramène à Manhattan. On doit poursuivre Klao et retrouver le vibranium. Il doit être vital pour Kang. Oh. Hé, hey, c'est Klao. Panther, Star-Lord et moi, allons vers ce dirigeable. Les autres, vous devriez rentrer. Ok les gars, montons là-haut et chopons ce gros naze. Facile à dire pour toi, on n'a pas tous un réacteur dorsal. C'est vrai, mais on peut toujours appeler un Quinjet, en espérant que ça marche ici. Yes.
On est dans l'univers Hydra. X pour accéder à la grille des véhicules. Ok, d'accord. C'est bon, ça j'ai compris. Oh, ok. X, voilà, grille des véhicules. D'accord, un taxi pour aller en haut, ça doit pas être, ça doit pas faire d'affaire. Donc, on va faire ça dans le prochain épisode, vous savez quoi. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo sur Lego Marvel Super Heroes 2. Allez, ciao tout le monde. Ah, voilà, ça c'est un beau slam. Et ça c'est un beau symbole de l'hydre.